Salut Nico. Alors, elle fuit ? A priori, non. Je suis arrivé à Chambord il y a une vingtaine d'années pour monter une école de trompe. J'étais forestier en poste à Orléans, à l'ONF. J'ai enseigné la trompe durant une bonne quinzaine d'années, mais mon métier de forestier a pris le dessus. Aujourd'hui, je suis devenu adjoint au directeur de la chasse et de la forêt, chef de service des visites en forêt, et aussi cartographe. Ça, c'est mes trois points forts, et l'école de trompe a une toute petite part aujourd'hui. Nous sommes dans le parc de Chambord, un domaine forestier qui fait plus de 5000 hectares. Et nous, notre rôle de forestier, c'est de conserver ce patrimoine naturel. Nous avons un plan d'aménagement qui nous permet de garder la forêt comme elle a toujours été conduite depuis des siècles. Nous gérons aussi les animaux qui vivent dans cette forêt, donc cerfs, sangliers, biches, avec des espèces un peu remarquables comme certains rapaces rares. On essaye de garder les biotopes pour que les animaux se plaisent toujours à Chambord. J'avais prévu de sonner avec Louis un peu. Oui. Il a pas l'école cet après-midi. Ah. Il est là, il a une nouvelle embouchure. D'accord. Fais voir. Fais-nous écouter. Là, il y a du timbre. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on sonne ensemble. Ouais. Il fait pas très chaud. On peut aller dans la salle comme on a l'habitude d'aller. Ok, Nico, c'est bon. Okay. On a 5 minutes. Allez, on y va. J'ai commencé un petit peu par hasard à écouter la trompe en forêt. Ça m'a plu et ça m'a donné des émotions, mais ce patrimoine-là, je ne l'avais pas. Par contre, Nicolas, son grand-père, sonne de la trompe. Et Nicolas, lui, c'est un patrimoine génétique. Moi, je suis du centre de la France. On est dans la forêt, au milieu des serres. C'est naturel de sonner. On ne se pose même pas la question, est-ce qu'on va sonner ? On le fait. Étant tout petit, avec des yeux de petit garçon, imiter le papa, le grand-père. Et puis après, bah, ça reste. Ça fait partie de notre bagage. Les gars, je vous propose de sonner le rallye bourbonnais.